وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Parmi les plus grandes causes de perdre la religion et de s'égarer, c'est le fait de suivre les choses équivoques dans les règles religieuses et de prendre toutes les facilités dans le halal ou dans le haram, ou bien de ruser pour chercher à commettre l'interdit. Et tout cela, ce sont des choses qui corrompent la religion de la personne. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Shura, dans le sens des versets, et appelle à ceci, et sois constant comme il t'a été ordonné, et ne suis pas leur passion. Sulayman Taymi, parmi les salafs salih, parmi les plus prédécesseurs, rahimahullah, a dit, si tu prends la facilité de tout savant, alors tout le mal sera réuni en toi. Si tu vas chercher n'importe quel savant qui te donne toute facilité, tu vas avoir une religion qui n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Car les savants ne sont pas préservés de l'erreur. Chacun peut donner une facilité dans laquelle il s'est trompé, ou bien même que c'était pour un cas précis et les gens ils l'ont pris après en général.